En octobre dernier, lors d'un forum économique à Riyad, une surprenante annonce a été faite. Hey, salut coquine. Moi, comment tu vas? Ça va super, et toi? Ça va très bien, tu sais quoi? Quoi, dis-moi. J'ai appris une nouvelle de fou. En Arabie Saoudite, ils ont donné pour la première fois la citoyenneté à un robot. Waouh. Et tu sais quoi? Non. C'est une femme. Mais c'est génial. Du coup, elle a pas le droit de s'habiller comme elle veut, elle a pas le droit de passer le permis, elle a pas le droit de signer des trucs, elle a pas le droit de voter. Je me sens si proche du robot soudainement. C'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire? Les voitures autonomes, l'avenir de ceux qui n'ont pas le permis. Ray? Oui, c'est moi, votre chauffeur Uber. En voiture. Là, c'est une porte. Désolé, je cherchais ma bagnole. Vous êtes aveugle? Oh, vous savez, ça se conduit tout seul, ces voitures autonomes. Vous êtes aveugle. La pédale de gauche, c'est l'accélérateur, et la pédale de droite, c'est le frein. En voiture. Mais vous n'allez pas voir la route. Là où on va, on n'aura pas besoin de route. Apple a surpris tout le monde en 2017 avec la sortie de deux nouveaux iPhones, le 8 et le 10. Hey, bon, les gars, réunion de crise, il va falloir trouver une justification de 300 euros entre l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Des idées? L'iPhone 9, en fait. Ta gueule, le stagiaire. D'autres? Qui? Sinon, ils regardent comme ça et ils font des émojis à la con sur leur gueule quand... Oh, la bête d'idée! Oh, t'es promu! Oh, ouais! Oh, des émojis! Toi, t'es viré! Ces dernières années, vous avez très certainement entendu parler de la monnaie qui fait polémique, le Bitcoin. Hey, faut que je te dise un truc, j'ai passé un câble. Quoi? J'ai investi dans la bourse. Ah ouais? Ouais, j'ai acheté du Bitcoin. Et une monnaie virtuelle. Attends, virtuelle? Oui. Ça veut dire qu'elle n'existe pas? C'est... Sur Google Home, un épisode de South Park prend le contrôle sur vos objets connectés et soulève la question du piratage à distance. Hey, mec, j'ai volé le Google Home de la voisine. Non, c'est pas vrai. Je te jure. Oh, ok, viens, on lui fait des boutades. Ouais, des boutades. Ok, vas-y. Ok, Google, active la machine à laver. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, à moi. Ok, Google, allume la télévision. Oh, mais c'est pas possible! Ok, Google, active le sèche-linge! C'est ma maison est possédée! Ok, Google, ouvre la fenêtre! Ah, on peut plus! Ah, ok, Google, on a déconné! Le 17 décembre 2017, le Bitcoin atteint un pic faramineux de 20 000 $ l'unité. Je suis plein aux as, on m'appelle le loup de Wall Street. Enfin, virtuellement. T'es jalouse, car tu n'as jamais vu mon blues. Oh yeah. Il est content. La plateforme de streaming légale Netflix est devenue un argument de drague sous le couvert du Netflix and Chill. Bonsoir, poupée. Ce soir, je t'invite, je t'ai prévu la totale. Nous allons dîner dans un restaurant 4 étoiles, entrée foie gras à la suite. Tu verras, ce sera de l'impro. Toi? Et moi. Sinon, moi je te propose une soirée Netflix and chill. Pat et beurre. Le 5 février 2018, le Bitcoin rechute à 6 000 $. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis à la porte, le Bitcoin ne fait plus rien. Mais c'est pour de vrai, là? Oui, fini. Après une sortie fracassante en juillet 2016, Pokémon Go réunit encore aujourd'hui 65 millions d'utilisateurs actifs. Ouais. Il était dur ce raid Magikarp. Non, tu l'avais sans moi. On avait dit que tu faisais plus les trucs sans moi. Je suis sûr il est shiny en plus. Plus de 10 ans après sa naissance, Twitter décide de doubler le nombre de caractères autorisés, ce qui va faire énormément plaisir à Monsieur Trump, friand de tweets énigmatiques.
La réalité virtuelle, tout le monde en parle, mais son avenir est-il prometteur? Tu feras pas sans moi. Il est où ton téléphone? Fais voir ça, moi aussi je veux jouer à Pokémon Go en réalité virtuelle. Là je... C'est quoi ça? Ça, c'est Pokémon Go. Et si on parlait du nom à rallonge de la troisième version de la dernière console de Microsoft? Hey, top! Quelle console de jeux vidéo de 8ème génération développée par Microsoft, dévoilée le 21 mai 2013, sort dans 13 pays de la même année le 22 novembre? C'est la X1 Box XX! Non! À l'E3 2016, la version S est présentée 40% plus petite et plus puissante que la précédente. Elle possède un lecteur Blu-ray Ultra HD! C'est la X1 Box XX! Non! Lors de l'E3 2017, la version X est présentée et capable de ficher de l'Ultra HD native. Elle sort le 7 novembre 2017. C'est... Coffé-fé! Oui! Je dis oui, vous avez gagné un... C'est vers la rousse! C'est la main noire! Oui! C'est la main noire! En 2017, deux licences sont revenues sur le devant de la scène après une période creuse. Et bah moi, dans Dragon Ball, Goku il a battu l'armée du ruban rouge. Et bah moi sur la GameCube, et bah j'ai gagné un Mario Kart Double Dash. Oh, et bah moi, dans Dragon Ball Z, Goku il a battu Cell, Boo et Freezer. Ouais, et bah moi sur la Wii, j'ai gagné un Mario Kart 8. Oh, et bah moi, dans Dragon Ball GT... Parce que moi sur la Wii U... Et bah, dans Dragon Ball Super, Goku il s'est transformé en Ultra Star. Oui, mais moi sur la Switch, je suis devenu... Satan!